Salut, bon. En fait, j'ai trouvé. C'est moi qui suis con. Et je vais vous le prouver. Enfin, vous le savez déjà, mais je vais confirmer. En fait, c'est tout simple. Ce coffre. On n'a pas besoin de faire défiler tout le truc. Moi, je croyais qu'il fallait prendre, déplacer et faire défiler sur tout le truc. En fait, c'est pas la peine. Faut juste le mettre là-haut. C'est con, hein. Je me sens con maintenant. Voilà. En fait, le truc d'en bas, il sert à rien. On peut le prendre par là. Donc tout ça pour un porte-bonheur à la con, mais j'en ai bien besoin. Parce que... vu la chance que j'ai. Et pour l'autre coffre, c'est encore plus con. Je cherchais à aller à mettre le bloc à un endroit, mais c'est pas là qu'il fallait le mettre. Oh non, merde là. Donc là, ouais, le bloc fallait pas le mettre sous l'échelle, mais tout simplement ici, là où je suis là. Et oui, c'est bon, fallait pas le mettre là. Donc je. À mon avis, vous avez, si vous en êtes rendu compte, pendant toute la vidéo précédente, vous devriez. Enfin, vous deviez être. Qu'est-ce qu'il fout, bordel, etc. En fait, ouais, faut juste le mettre là. Donc, en fait, ouais, y a aucune énigme compliquée. Hein. C'est moi qui est con. Voilà. Et voilà le travail. La masse du chaos. Pour Ivano. Et non, pas pour Ivano. Pas pour lui non plus, parce qu'elle est maudite, mais même. C'est aussi puissant que ça en fait. Ah, pour elle, tiens. Maintenant, on n'a plus qu'à sortir. Par là-bas. Bon, je préfère l'énigme où il fallait récupérer des clés. Bon, je sais que c'était la plus simple, mais bon. Bon, ça, c'est vraiment une des énigmes qui m'a fait chier. Bien que ça soit en fait tout con. Donc là encore une tactique. Sauf que là à mon avis ils vont être assez chauds parce que les autres ils ont failli résister aux invoques. Donc là ça va être encore plus chaud. Crapaud virus, ok. Electro livre. Alors. Heureusement que j'ai les bonnes armes, après je les terminerai avec des coups normaux. Et je vous rappelle que Vlad avec son truc salamitueuse peut tuer un truc en un coup comme ça. Un truc qui résiste à plusieurs invoques. Enfin, par de la chance bien sûr. Ce que je n'ai pas. Oui, il y a une rumeur sur Golden Sun qui à mon avis est fausse. Moi j'ai de la chance, ils font juste attaquer. Ouais, à mon avis c'est une grosse une fausse rumeur. C'est que la rumeur en fait c'est que plus on a de porte-bonheur sur soi et plus plus on a de chance d'avoir des objets à la fin des combats. Enfin, à mon avis c'est des conneries. En fait ils sont pas si forts que ça. Bon, j'aurais dû attaquer le crapaud tout à l'heure. Là, il va se prendre le météore, ça devrait suffire.
Oula, restons. Salopard. Ah oui, un coup. Bon d'accord, il a plus beaucoup de vie, mais quand même. Et nous voilà là. Alors là. Tiens, c'est bizarre cet endroit. Bon ça c'est un truc de con ça. Il n'y a pas de pour qui. Il suffit de faire ça. Donc là on apparemment il y a plusieurs trucs avec Freema donc. Allez ouais. Ouais, des fois on se gourde un millimètre et hop. Ah d'accord. C'est un peu tard pour le faire, mon pote, ça. Ouais, donc faut toujours le faire, le truc d'abalance en premier. Hein. Sinon, il dégèle celle-là. Bon, c'était pas compliqué à comprendre. Un fumigène à la con, ok. Et voilà. Ouais, ça peut l'air compliqué. Merde. Quelle merde. Ah non, c'est bon. Il y a une espèce de toboggan. Voilà, ensuite on enlève la deuxième. Ah bah si, si, on est obligé, ouais. Ah mais merde, si on quitte la salle. Ah bah non. Si. Donc là, je sais pas comment dégeler ça, innovation. Parce que si je quitte la salle, je suis obligé de tout refaire. Hein. Donc il doit y avoir un moyen de d'enlever ça. Comment faire? Non, je pense pas. Putain, ça l'enlève pas. Souhait. Prière. Ouais. Merde. Mais si vous avez pas compris ce que je veux faire, je vais juste enlever ce truc pour pouvoir le remettre pour dégeler ça en fait. Pour pouvoir passer. Mais le problème c'est que si je quitte la salle, ça va disparaître. Et j'aurais plus qu'à tout refaire. Alors, encore une énigme assez chiante. Mais j'ai pas de truc de feu en fait. Hein. Putain de merde. Comment est-ce qu'on peut faire pour enlever? Parce que je peux pas passer par autre part. Hein. Mais non. Forcément un moyen. Ah bah je sais. À mon avis on n'a pas le choix. Hein. On doit revenir. Ouais, pas le choix, tant pis. J'espère que c'est un bon truc au moins quoi. Mais qu'est-ce que je fais? Quel con. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, t'as été obligé de le faire deux fois. Hein, parce que le premier pour avoir le coffre, et après, après, il fallait recommencer pour ça. Donc voilà. Là, on doit pousser ça. Donc, ouais, si on récupère aucun coffre, hein, on peut passer facilement à la caverne. Mais ça sera dommage de louper quelques bons trucs. Hein. Bon, je parle pas des somnifères et tout ça, ça c'est de la merde. Hein. Là faut faire ça, ensuite faut faire ça, c'est vrai qu'il souffle du sable, oh bon.
faire ça. Ensuite passer par dessus, c'est bon. Plus qu'à pousser le deuxième rondin. Voilà. Anneau clérical. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bon. Ça peut servir, mais bon. Annule les malédictions. Genre, faut le mettre sur quelqu'un qui a un truc à malédiction. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Bon, je m'en fous. Je m'en fous des malédictions, donc. Ça, c'est bon. Je me prépare. J'espère qu'ils sont costauds cette fois. Parce que pour l'instant c'était tous des merdes. Bon, je vais te servir Quarax, mais... Les Cerbères. Bon, on va voir ce qu'ils valent. J'aurais peut-être dû en fait délier carrément tous les jeans pour faire deux fois, enfin, encore plus d'invocations, mais bon. Je terminerai à l'arme. Vous voyez, l'affinité terre de Vlad prend 71. Parce que là, ça le fout au max à 200. Donc il prend pas plus. Parce que le max d'affinité est à 200. Oula. Ouh, bordel. Ah, ça ou pas. Tiens, Sophia peut pas bouger en plus. Bon, moi, il craint le feu. Hein. Merde. Je pensais se faire souhait, mais je peux pas. Oh les bâtards. Ils sont super résistants. Mort. Putain, en plus j'ai plus de jean. Oh bordel. Merde, t'es le seul qui pourrait citer lui. Putain, comment je suis mal. Je suis vraiment mal là. Bon, je tente le. Allez, éruption. Ah, bordel. Sur Sophia. Oh, oh non! Oh, bordel de merde! Enculé. Il aura jamais rien le temps de faire. Putain. Je suis mort. Putain, ils m'ont bien vu ce salopard. Putain. Oh, j'ai jamais perdu dans Golden Sun. La honte. Oh non, je me retrouve là. Putain, comment on fait pour se barrer? Merde. Comment je charge ma sauvegarde, moi? Oh, mais c'est la merde, ce truc, là-haut. On peut pas charger... Je peux pas charger les sauvegardes, ça. Il doit avoir un mode reset. Hein. Putain de merde. Start select. Start select. Au bas. Bah B peut-être. Ouais, c'est bon. J'ai eu trop peur là. Faire AB, start et select. Putain les enfoirés. Je m'en souviendrai. Non, je vais faire à la normale alors. Hein. Ah bah, moi qui voulais du costaud. Cette fois, ils ont pas une chance. J'ai Mergaïa en plus. Ça augmente la résistance sur tout le monde. Et après, je leur ferai un sur les airs. Ça va mettre longtemps, mais au moins, ils ont pas une chance sur 1 million. Là. Ah, ça aussi se fait chier. Faut que j'utilise garde majeure, peut-être.
comme j'utilise. Ouais. On va faire ça. Je vous ai dit, la tactique du bourrin ne marche pas tout le temps, et vous avez la preuve comme ça. Alors, ça fait pareil que... Flash, je veux dire, ça fait pareil que Granite, un armure protecteur. Donc là je vais augmenter l'agilité et la résistance. Et elle je laisse comme ça pour l'instant. Ah, il peut pas bouger ce con. Ah mais c'est la malédiction qui fait ça en fait. Ah, c'est horrible. Je crois qu'elle ne peut pas bouger, c'est juste que... Merde. Ah c'est ça les malédictions en fait. Ah mais je comprends pourquoi j'étais mort. En fait, malédiction, c'est ça, je crois que ça a empêché de retirer l'arme, juste. Putain, c'est horrible comme truc. Quelle saloperie. Il faut que je foute le truc qui empêche les malédictions, alors. L'anneau clérical, en fait l'anneau clérical c'est hyper important comme truc. En plus, j'aurai pas le temps de terminer la vidéo si ça continue. On termine, au pire, je la termine en plein combat. Mais... Putain, il peut pas bouger, c'est... Oh, ça rend de la merde, cette arme. Je les enlève absolument toutes, là. Ah, mais je vais peut-être essayer l'attaque de... Ouais, mortalité. Non, merde. Faut que ça marche pas. Putain, ils font même pas leur attaque spéciale, c'est con. Bon, maintenant je suis bien protégé, donc. Eh, mais faites votre attaque spéciale là, un peu. Putain, je vais devoir couper la vidéo là. Bon, désolé, mais je coupe la vidéo ici. Donc à la vidéo prochaine pour voir comment les serveurs vont crever. Donc salut.